Bonjour, mon nom est Sylvie du regroupement artistique francophone de l'Alberta. Le regroupement, c'est un organisme qui offre plusieurs services, dont des services en formation continue et aussi des services en développement de marché et de promotion. Alors, cette semaine, on a lancé une programmation de formation continue, une programmation sur l'année, c'est-à-dire que pour la première fois, on offre deux opportunités de mini-entraves, donc trois jours de création avec des artistes mentors très reconnus dans la francophonie canadienne. On offre aussi d'autres formations telles que l'art écrit pour les arts visuels, une formation en gestion de carrière pour les artistes en chanson musique et aussi du coaching personnalisé. C'est quoi du coaching personnalisé? Ben, si vous avez un besoin lié à votre carrière artistique ou par demande de subvention, bien, vous pouvez nous appeler et soit quelqu'un au bureau peut vous aider ou bien on peut vous aiguiller vers des gens qui pourront travailler avec vous. Et oui, on fait du matching, donc des fois, on lit un artiste qui, pour la première fois, fait une demande de subvention avec un artiste qui a réussi à obtenir de l'argent, soit de l'Alberta Foundation for the Arts, Musique Action, et on vous fait travailler ensemble. Et ça a arrivé qu'on a eu du succès. Alors, idée de coaching personnalisé. Aussi, la RAFA va se déplacer cette année. On va se rendre à divers événements contacts, soit dans l'Ouest canadien, en Ontario, dans l'Acadie. Et c'est une opportunité pour vous de faire connaître vos produits parce qu'on tient toujours une table au Salon Contact et on fait la promotion des artistes d'expression française d'ici. Alors, ça, c'est des grands services qu'on offre cette année. Et aussi, on a deux projets, un sur la diversité, donc pour développer des stratégies gagnantes d'approche avec nos communautés culturelles pour favoriser une plus grande intégration et aussi un projet d'actualisation de notre stratégie en développement public. Alors, on veut connaître ce qui fait sortir le monde de leur maison pour pouvoir participer aux événements partout en province ici. Alors, voilà, c'est les grandes lignes de nos programmations pour cette année.